Eh bien, salut tout le monde, c'est Super Léo et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode du Let's Play sur Minecraft. Donc on est avec notre chien qui est en mode un peu noir-gris en ce moment. Bon voilà, donc j'ai plus les autres chiens. J'ai décidé alors de me séparer des autres chiens parce que bon, un chien c'est bien, ce sera notre compagnon parce que bon, on va pas avoir 4000 chiens qui font comme ça tout le temps. Enfin bon, c'était ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc bon, j'ai décidé de plus les avoir. Et comme vous voyez, il y a du changement au niveau de ma hotbar. Hein. Mes outils, c'est plus les mêmes. Et bah, tout simplement, je suis tombé dans la lave en minant et tout. Et bah, maintenant, bah, j'ai plus qu'à recommencer un peu. Et vu que j'ai plus que 3 diamants, bah, on s'occupera en temps voulu de faire une bonne pioche. Pendant en attendant, je vais miner. Il faut que je fasse des machines pour avoir. De quoi manger indéfiniment, j'ai plein d'autres petits trucs à faire. Donc, c'est ce qu'on fera en premier. Et voilà. Donc, pour vous montrer, j'ai 16 blocs de fer et sinon j'ai que 3 diamants. Donc, après, bon, en redstone, j'en ai quand même la masse. Et voilà. Donc, il y a toujours un problème au niveau des slime balls. Donc, j'ai mis dans un coffre là ce que j'avais. Voilà, donc, j'ai que 2 slime balls. Et j'ai un sticky piston. Donc il nous manque 3 slime balls. Et j'ai notre ami CyberSDF qui est en train de construire une farm à slime dans un chunk. Donc ça je sais pas trop faire, mais bon, si un jour j'ai la foi, j'en ferai une près de chez nous. Mais pour l'instant, il veut bien me passer quelques slime balls qu'il a de sa farm, qui n'est pas encore fini et que je vous montrerai peut-être en fin d'épisode, à la fin de cet épisode, soit dans l'épisode à venir. Voilà. Donc hop, on va aller vers le spawn et en plus on ira chercher des patates et plein de petits trucs. Voilà. Donc prenons le minecart. Donc comme vous pouvez peut-être voir, j'ai pu régler en fait mes problèmes de drop de FPS. C'était un Donc, que ce soit pour Atlantis, pour mes LP et tout, hein, il n'y aura plus de drop de FPS et tout. Je me suis procuré un disque dur externe parce que j'en avais réellement besoin. Donc, vous pouvez le voir, hein, je tourne tranquillement à 45 FPS là parce que je tourne pas. Et donc, pour ça, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui j'avais comme projet une fois que j'ai fini la petite porte à piston. J'avais pour projet est-ce que Cyber arrive là tout de suite? Oui, il n'y est pas encore au spawn. Ah, il n'y est pas encore. Enfin par s'il m'attend, mais je sais pas. Donc oui, donc j'avais pour projet après avoir fait ça de faire quelque chose pour avoir de la bouffe en illimité. Et je sais pas pour vous, mais je pense que je vais commencer à faire un truc dans le style comme ça, là, comme ce que je vous avais montré. Donc attendez, je vais vous remontrer. Hop, donc par exemple, je prends une patate et j'active le système. Oui, ça a bien marché. Voilà, donc en fait le truc marche, le système marche comme ça. Voilà, donc c'est pratique, mais bon, moi je trouve que enfin, ça ramène pas beaucoup. Je sais pas si vous voyez un peu, mais bon, moi je trouve pas que ça ramène beaucoup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelques pommes de terre, quelques carottes et un peu de blé, non, un peu de seeds, et en fait on va aller là-bas. Donc il y a CyberSDF qui est arrivé au spawn. Alors où est Cyber? Où ça? Il est bien gentil. Ah bah il est là. Bon, vous voyez. Là normalement, il n'y a pas de problème. Donc là il me ramène des slime balls. Merci CyberSDF. Merci, merci. Voilà, donc quand c'est quitté, CyberSDF arrivé au spawn et il m'a donné 20 symboles. Donc, je le remercie. Ah,
C'est quoi ce bordel à la Skull Farm? Je vais aller voir. Il paraît qu'il y a des problèmes à la Skeleton Farm. Donc. Hop. Bah, il doit être en bas, donc vous allez le voir en vrai. Le vrai Cyber SDF. Le vrai, le vrai. Ah oui, ça, c'était pour pas qu'il y ait de mobs. Que il y ait des mobs qui dérangent. Voilà, donc là on a tout ce qu'il nous faut. Voilà. Donc quoi qu'attendez, j'ai une petite idée. Bah, on va s'enchanter. On va s'enchanter quoi là? Là, qu'est-ce qu'on peut s'enchanter? On va s'enchanter notre chestplate. Notre chestplate. Parce que j'ai toujours eu chill. Ouais, bon, il fait son truc. Level 27, ce sera bon, hein. Hop. Donc. Level 27, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'aurais jamais de level 27 comme ça, mais bon, c'est pas grave. Bon, sinon, vous savez quoi? Je vais faire des petits enchants sur chaque petit truc, hein. Comme ça, j'aurai une armure enchantée, même si c'est pas des gros enchants, hein. Ouais, donc j'ai ça. Là, je vais mettre un petit enchant aussi. Ah non, j'ai plus de stuff. Pourquoi il me donne ses arcs là? J'en ai rien à faire de ses arcs. Ok, je suis la poubelle de Cyber SDF. Il me donne tous ses arcs. Donc, ça doit être gentil. Je sais pas. Ouais, j'en ai rien à faire qui soit machin. Il donne du power 2, du power 1. Donc, on va dire que ça peut nous servir dans des cas. Bon, voilà. Donc, on va rentrer vers la base et on va se mettre au travail. Donc, on se retrouve là-bas. Ciao. Donc, voilà, on est arrivé à la maison. Donc, là, j'ai décidé donc de finir la porte ici. Donc, alors, on va s'y mettre maintenant. Est-ce qu'on a des torches de redstone? Je me demandais. Oui, si on en a. Donc, ce qui va se passer, donc on va crafter les sticky pistons. Donc, on en a besoin de 5 puisqu'on en a déjà un. Ouais. Donc, là, on va mettre hop, le fer, la redstone. Ouais. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, là, on en a 5. On utilise les 5 symboles. Et on a les 6 sticky pistons. Voilà. Hop, maintenant, donc on va placer le piston. Hop, voilà. On va mettre de la smooth sandstone. Oui, donc on fait pas un truc genre super complexe, hein. De toute façon, ça se voit pas à l'extérieur. On l'ouvre pas, c'est pas une porte principale, on va dire. Donc, on n'a pas besoin de faire un truc. Alors, en tout cas, il va falloir relier tout ça. Donc on va creuser un peu là. Hop, voilà. Alors ici ce qu'on va mettre c'est de la redstone. Donc après c'est le tutoriel, c'est le tuto express 3. Donc de toute façon, je vous l'expliquerai dans le tuto express 3 s'il n'est pas déjà sorti. Hein. Hop, donc là ça c'est sur 4. Voilà, et le système on doit l'activer par ici. Donc là, de son siège, j'appuie là. Là, normalement. Ok, c'est bien ça. Sauf il faut que je l'active déjà. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. Attendez. Ok, bah c'est bon. Hop, si on met un bloc comme ceci.
Voilà, donc le problème que j'avais rencontré dans mon système, c'est que j'avais mis le bouton là et que en le mettant ici, et ben ça activait aussi ce piston-là pendant que j'activais tout le système. Donc en fait, ça a tout fait bugger. C'est pour ça en fait qu'il fallait juste mettre le piston ici. Voilà. Et là, normalement, quand on aura fait un truc joli, hop, les blocs comme ceci, comme cela, hop, voilà. Là, si on met un bloc ici, ici aussi, et qu'on rejoint, hop, et bien normalement, si j'active le bouton, voilà, ça fonctionne. Donc, la dernière chose que je vais faire, ouais, je vais juste prendre, récupérer ce bloc-là, parce que j'en ai pas beaucoup, beaucoup de blocs de sandstone, hein. Hop, donc on va mettre ça comme ceci. Ce bloc-là, oui, d'accord. Ok. Bon, bah attendez, il me manquera un bloc de sandstone. Bon. Ok, donc il me manque un bloc de sandstone. Mais bon, au moins, ça fonctionne. Regardez, si je descends en bas. Donc là, je vais dans le désert et là, je reviens. Je suis ici. Ça, franchement, c'est super. Franchement, je suis très content de ce que j'ai fait. Donc maintenant ça c'est fait, on va s'attaquer à faire une farm pour manger parce que on a besoin de manger. Donc voilà, donc comme j'ai dit, hein, on va tout de suite s'attaquer à la construction d'une farm à manger et ce sera dans cette aile-ci de la montagne. Donc bon, voilà, on fait d'abord sur les côtés vu que c'est des petits systèmes. Donc, pareil, pour le truc des Nether, c'était sur le côté de la montagne. On n'avait pas beaucoup de place, mais vu que c'était un petit système, ça rentrait. Et ben là, vous allez voir, c'est vraiment un petit système que je trouve mieux que celui qu'on a au spawn. Peut-être moins bugué, enfin je sais pas, je le trouve. Donc je vais vous montrer ça. Hop, donc là, il y a dehors. Donc ça va être obligatoirement par ici. Donc je vais creuser une salle assez grande. Et après, on partira pour s'occuper de ça, quoi. Donc, je vous retrouve, enfin, je vous reprends dès que j'ai fait cette place. Allez, ciao tout le monde.
This is Maddie on Mix Up Exclusives Triple J. Voilà, avec la salle pas du tout finie, mais on avance un peu. Donc là, on va commencer un peu à faire le système. Donc déjà, je pense que je vais aller vous montrer en créative comment ça marche juste après. Mais on va faire juste une porte à piston ici. Alors, il nous faut deux pistons, donc de la redstone, ça c'est bon. Hop, on va prendre ça. C'est les sticky. Alors on a besoin de ça. On va en prendre quand même 3. Ouais, en fait on va faire un peu plus. On va en faire 3 parce qu'on en aura besoin pour après. Alors, et même, désolé, je vais en faire 4. Voilà. Donc 4 pistons. Hop, si je mets ça comme ça, tac tac.
Voilà. Donc ça c'est bon. Une fois que j'en ai fait ça, j'en ai besoin de 3 sticky en normal. Donc ça c'est bon. Hop, donc là on va aller voir là-bas. Hop, ici on met comme ceci. On fait comme le système que je vous ai montré. Hop là. Ici, là on met de la redstone, de la redstone, de la redstone. Hop, hop. Voilà. Et là il n'y a plus qu'à mettre des plaques de pression. On va mettre en bois. On va en mettre qu'une, hein, j'ai pas assez de bois sinon. Voilà. Et. Voilà, ça s'ouvre. C'est bien ça, ça s'ouvre. Ok. Ouais, je voulais prendre un truc différent. Le sticky il est là. Voilà. J'avais envie de mettre ces deux blocs là. Voilà, c'est bien. Enfin, je préfère. Voilà. Donc, je vous montre en créative à quoi ressemble notre système. Allez, on se retrouve là-bas.